réussi. Votre attention, s'il vous plaît. En cas d'urgence, de l'antivenin est disponible à la sortie de l'habitat des reptiles. Ça y est. Préparez-vous à découvrir la vie au-delà de la Terre dans Parmi les étoiles. L'exposition est généreusement sponsorisée par Voltec Corporation.
rotation de 13h et 15h d'Oswald de l'excentrique sont complètes. Il reste encore quelques places pour 17h. Le grand spectacle d'Halloween de Nuka World commencera dès la semaine prochaine. Réservez vos places pour cet événement nocturne au guichet principal. Venez être témoin de la majesté des mœurs de la Croix-Rouge. Des tickets pour tous les spectacles sont disponibles au guichet du Royaume des Petits. Pourra vous fournir un verre de Nuka Cola Wild glacé. Tourne dans Dry Rock Gulch. Allez les voir pour vous faire prendre en photo. Joli. Pour la journée. Veuillez vous adresser à un envoyé du parc pour plus d'informations. Chers visiteurs, pensez à récupérer tous vos tickets de prix à la Nuka Arcade avant de repartir. La Nuka Arcade, c'est...
venez être témoin de la majesté des mœurs de la cour du roi Cola. Des tickets pour tous les spectacles sont disponibles au guichet du Royaume des Petits. Et voilà le dixième indice. C'est le moment de retourner auprès de Sierra pour voir si elle arrive à les déchiffrer.
Sitôt. Nouvel ami fini. Plus de monstres. Et il ne devrait pas revenir. Ta famille est en sécurité, Sitôt. Sitôt très content. Comment Sitôt remercie nouvel ami? Pour bénéficier de 50% de réduction. Des amis à moi arrivent, mais si tu la joues cool, on peut s'entendre. Tu penses pouvoir faire ça? Sitôt fait confiance. Sitôt aime plus de nouveaux amis. Avant que tu partes, prends nouvel ami. Mieux que chose brillante que Sitôt garde. Sitôt veut donner. Merci, nouvel ami. Sitôt se souvient de toi toujours. Des jetons pour les jeux du milieu sont disponibles dans n'importe lequel distributeur agréé de Dry Rock Gulch. Vos chaussures sont en piteux état après votre visite à la ferme pédagogique. Choisissez-en de nouvelles à la boutique de souvenirs de Dry Rock Gulch pour seulement $50. Moi, je dis qu'on devrait assécher cette rivière et la remplir de sang. Ce serait carrément utile. On est tous des chefs de meute maintenant. Mulligan le cinglé, Miss Trixie, le shérif Bruce, Hank le borgne et Doc Phosphate tournent dans Dry Rock Gulch. Allez les voir pour vous faire prendre en photo.
questions sur Nuka World, ce sera un plaisir d'y répondre. Et n'oubliez pas que vous aurez une récompense spéciale si vous me rapportez une collection complète de médailles. J'aimerais en savoir plus sur les médailles du parc. Avec plaisir. Dans tout le parc, il y a une fois la collection complète, il... J'ai tout un jeu complet de médaillons du parc. En effet ! Waouh ! C'est Nukadastic ! Voici votre récompense spéciale. Aviez-vous d'autres questions ? Parlez-moi de la société Nuka-Cola. Notre histoire commence en l'an 2044, lorsque le pionnier du soda, John Caleb Bradburton, crée la formule d'une boisson qu'il nomme Nuka-Cola. Lors de sa sortie sur le marché, la délicieuse boisson est un immense succès, devenant rapidement... erreur. Dysfonctionnement du système. La vérité sur Nuka-Cola, c'est un jus toxique qui fait pourrir les dents. Mais vous, les gros débiles, vous incurgitez cette boue empoisonnée sans même respirer. Système rétabli. Avec la sortie de notre tout nouveau parfum Nuka-Cola Quantum, assurez-vous de déguster une bouteille bien fraîche de Nuka-Cola Quantum aujourd'hui. Aviez-vous d'autres questions ? Pas de questions pour le moment. Dans ce cas, merci pour... erreur. Dysfonctionnement du système. Tu es encore là ? Système rétabli. Passez une excellente journée. Quelque chose me dit que vous allez avoir envie de vous tirer d'ici. Faites attention dehors. Le parc est un endroit relativement dangereux. J'ai trouvé toutes les images de Capi. Chacune comportait une lettre. Génial! Laissez-moi y jeter un coup d'œil. Pour quelqu'un qui a observé les produits Nuka-Cola aussi longtemps que moi, la solution est plutôt évidente. Les lettres forment le mot « refreshing ». Ça veut dire « rafraîchissant ». C'est bien plus simple que je l'imaginais. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait de ce code? Cette porte devrait mener au bureau de Bradburton, mais elle est verrouillée. Le seul moyen de l'ouvrir, c'est ce pavé numérique. J'imagine qu'on doit appuyer sur les 10 chiffres qui correspondent aux lettres du mot « refreshing ». Comme vous avez fait tout le travail pour trouver les images cachées, je vous laisse l'honneur de saisir le code. C'est ça ! La porte est ouverte ! Venez, on entre. Cherchons bien. Je pourrais parier que cet endroit cache quelques secrets. Et ils sont probablement bien cachés. Concernant la production de Nuka-Cola Clear, je crois qu'il faut prendre du recul et examiner les faits. Le projet Cobalt nous a amené le Quantum sur un plateau, et je pense qu'il vaudra mieux tirer parti de son hypothétique popularité avant que quelqu'un d'autre ne nous coupe l'herbe sous le pied. En plus, installer de l'équipement pour produire les deux saveurs nous coûterait extrêmement cher, et je préférerais utiliser nos fonds pour promouvoir le Quantum. Nous allons aussi démarrer sous peu la production de la saveur citron vert, et il va falloir étudier comment commercialiser deux boissons incolores simultanément. En prenant en compte tous ces facteurs, je n'ai pas d'autre choix que de mettre la production de Nuka-Cola Clear en attente pour les deux prochaines années fiscales au moins. Sierra. Cherchez attentivement. Ce que nous voulons risque de ne pas être simple à trouver. Regardez ça ! Monsieur Bradburton, vous êtes...
étiez sacrément sournois. Là-dedans. Oh, qu'est-ce que c'est que cet endroit? On va regarder ça de plus près. Après vous. Ça a l'air intéressant. Allez. Qu'est-ce que c'est que ça? Attendez. Non. J'y crois pas. C'est John Caleb Bradburton. Enfin, sa tête. J'en reviens pas. Qui êtes-vous? Je n'avais pas vu de visage humain depuis si longtemps. J'avais perdu tout espoir. Oh, bon sang! Il parle! Il est vivant! Je m'appelle Sierra, monsieur. Je suis votre plus grande admiratrice et le New Cacola est ma passion. C'est un véritable honneur. Vous, avec le Pip-Boy, que faites-vous ici? Tout ça, c'est une idée de Sierra. Elle est venue ici pour terminer votre concours avec les images de Capi Caché. Le concours avec les images de Capi Caché. C'était il y a si longtemps, dans une autre vie, avant que je devienne ce monstre, avant que je sois piégé ici pendant des siècles à souffrir dans la solitude. C'était le plan du général Braxton depuis le début. Qu'il soit maudit. Il appelait ça le projet Cobalt. En échange de l'arme que j'avais conçue, ça devait me permettre d'accéder à une technologie qui rallongera mon existence. J'ai été stupide de le croire sur parole. Il ne m'avait pas dit quel serait le prix à payer. Qui était le général Braxton? C'était l'une des figures de proue de la division des armes et du matériel des laboratoires de recherche de l'armée. Il s'intéressait de près à mes recherches sur la physique quantique, et il m'a proposé un marché. En échange de mon aide sur un projet d'arme top secret, il m'a permis d'accéder à un processus expérimental capable de rallonger artificiellement mon espérance de vie. Comme un imbécile, j'ai accepté les yeux fermés. J'ai certainement payé le prix de mon empressement. Une arme? J'y crois pas. Pourquoi est-ce que le génie qui a apporté tant de bonheur au monde entier voudrait faire quelque chose d'aussi destructeur? Le génie ne s'arrête jamais, madame. Il doit se développer, chercher de nouveaux défis et explorer de nouvelles frontières. Donc, oui, une arme. C'était censé être une variante de l'ogive tactique portable standard, améliorée par système quantique. En fait, les prototypes sont stockés dans cette salle. Et vous pouvez les prendre. À une condition. Je veux que vous coupiez l'alimentation de cette machine qui me garde en vie. Je veux mourir. Quoi? Non! Vous voulez vraiment mourir? J'ai eu beaucoup de temps pour y réfléchir. Vous pouvez pas le tuer! C'est un grand homme! Il a inventé le New Cacola, la meilleure chose au monde! Jeune fille, vous n'imaginez pas le tourment que j'ai enduré pendant des dizaines d'années. Enfermé dans la solitude la plus totale, sans rien pouvoir faire d'autre que fixer le même mur du regard. Maintenant, merci de vous taire pendant que je parle à quelqu'un de plus rationnel. Je sais que je ne vous demande pas quelque chose de facile, mais vous y trouverez votre compte. Quand le courant sera coupé, la porte de la salle des prototypes s'ouvrira automatiquement. Prenez tout ce que vous voulez, ça m'est égal. Je vous demande simplement de me libérer enfin. Je ne supporte plus cette solitude. Attendez, j'ai une idée. Monsieur Bradburton veut mourir parce qu'il se sent seul, hein?
Donc je pourrais rester avec lui, pour lui tenir compagnie, quoi. Lui donner quelqu'un à qui parler. C'est un vrai héros pour moi. Bonne idée. Mais je veux une compensation pour le prototype d'arme que vous m'empêcherez d'obtenir. J'ai bien quelque chose qui pourrait vous intéresser. J'ai une combinaison Nuka-Cola en édition limitée. Elle est vraiment classe, et il en existe très peu dans le monde. C'est l'un de mes trésors, mais... je suis... prête à... vous la donner. Une combinaison Nuka-Cola. C'est une bien piètre récompense à côté de ce que j'offre. La décision vous appartient. Mais je vous supplie de respecter ma volonté. Il n'y a personne d'autre qui peut m'aider. J'ai un peu de peine pour lui. Salut, Sierra. J'ai presque peur de demander, mais... qu'est-ce que vous avez décidé ? Et la formule secrète de Nuka-Cola que vous pensiez pouvoir trouver dans cette chambre forte ? C'était avant qu'on trouve John Caleb Bradburton en chair et en os. Enfin, plus ou moins. Si ça se trouve, il me donnera la formule du Nuka-Cola lui-même et tout un tas d'autres choses. Ça serait formidable. Je vous en prie. Dites-moi que vous allez le laisser en vie. J'accepte votre offre. Je ne couperai pas le courant. Merci, merci, merci. Vous avez fait le bon choix. On peut pas simplement tuer un grand homme comme lui. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je dois faire la conversation à une légende vivante. Bonne chance avec Nuka World. On a des flingues, c'est vrai. Et on préfère les larmes. C'est plus marrant. Essayez donc les rafraîchissants Nuka Grape, Nuka Orange ou Nuka Cherry. Disponibles dans tous les stands agréés du parc. Il faut toujours avoir une... la main aiguisée. Question de professionnalisme. Tellement de blaireaux. Si peu de temps. Gage. Bah merde alors.
Vous avez réussi. New Carworld est à nous. Entièrement. Pourquoi vous avez l'air si surpris ? Je voulais pas vous manquer de respect, chef. Mais faut comprendre, on n'a jamais eu un tel territoire avant. Maintenant qu'on est là, faut que la fête continue. Je pense qu'il va être temps de nous tourner vers le Commonwealth. Et si vous me laissiez décider ce qu'on fait après ? Bien sûr, c'est vous qui voyez. J'essaie juste de vous donner quelques petits conseils. C'était une putain de bonne chose de reprendre New Coward. Ça, c'est sûr. Mais faut voir plus loin, faut être ambitieux. Cette bande de sauvages a besoin d'un but, quelque chose sur quoi se concentrer. S'ils n'ont pas ça, ils vont finir par se tirer dans les pattes. Et avec une opération de cette envergure, on va avoir besoin de plus de tout. Personne va nous amener ça sur un plateau. Alors va falloir se servir. Le Commonwealth a plein de petites colonies de merde dont on pourrait faire meilleur usage. Vous croyez pas ? Bien sûr. Et j'imagine que quelqu'un d'autre va mener les opérations en mon absence. Comme c'est pratique. Hey, je vous rappelle que je vous soutiens depuis que vous avez foutu les pieds à New Coward. On va pas foncer tête baissée. On va prendre notre temps, réfléchir, tout ça. Si on veut se faire une place au soleil dans le Commonwealth, il va nous falloir de bons contacts et une putain de force de frappe. Moi, je dis qu'on devrait aller tailler le bout de gras avec Shank. Il a l'œil sur tout ce qui rentre et sort de New Coward. Il a déjà lancé l'idée. Il meurt d'envie de vous parler depuis que vous avez pris le pouvoir. Alors je parie qu'il saura par où commencer. C'est lui qui se charge des caravanes. Alors je parie que vous le trouverez près du marché. Oubliez ça, Gage. Je n'ai de conseils à recevoir d'aucun de vous. Bordel de merde! Après tout ce qu'on a traversé, vous croyez vraiment que je vais vous entuber? Allez parler à ce type. Il vous confirmera ce que je vous ai dit sur le Commonwealth. Pendant ce temps-là, j'ai déjà dit au gang de remettre la centrale de New Carworld en marche. Il est temps qu'on rallume la lumière, histoire que tout le monde comprenne qu'on n'est pas là pour déconner. Oh, et si vous voulez un conseil ou faire équipe, je suis là. J'imagine que plus personne ne me fera jamais confiance. C'est
C'est difficile de se faire remarquer quand on est... Clayton. Si vous avez un peu de temps, il me faudrait d'autres échantillons de tissu. J'y vais de ce pas. Excellent. J'ai fait de gros progrès grâce à votre aide. Je crois que du 109, c'est exactement ce dont on a besoin. Docteur Watson. Ces plans que vous m'avez apportés étaient fascinants. Vous pensez que vous pourriez en trouver d'autres ? Aucun problème. Merci. J'ai hâte de voir ce qu'ils me permettront d'apprendre. L'unité X688 ne tarit pas d'éloges sur vos talents au combat. Merci d'avoir ramené ce synthétique. C'était du bon boulot. Comme toutes les machines, les synthétiques ne sont pas à l'abri des dysfonctionnements. J'aimerais juste qu'ils soient moins fréquents. Alana ? On m'a signalé qu'un autre synthétique avait été enlevé. Vous pourriez vous en occuper ? Bien sûr. Excellent. J'enverrai le chasseur dès votre retour. Je vous félicite de nous avoir ramené B-592 aussi rapidement. Docteur Ayo ? Le synthétique McDonough a un autre rapport prêt à être récupéré. Vous pouvez vous en charger ? Ouais, très bien. Pas de problème. Le maire vous attendra dans son bureau, comme la dernière fois. Revenez aussitôt que vous l'aurez. Faites-en votre priorité. Tous les systèmes fonctionnent. Je regrette d'avoir fait ça. En fait, j'ai même l'impression d'être le dernier. Doc. Une autre de nos équipes de récupération s'est fait attaquer par des ghouls sauvages. Il y en a vraiment partout dans ces saletés. Ça me gêne de vous demander ça à chaque fois, mais il n'y a vraiment personne d'autre. Vous pourriez vous occuper de ces ghouls. Bien sûr. Je vais vous en débarrasser. Je vous remercie. Et tous mes synthétiques aussi. Se faire déchiqueter par des ghouls sauvages est un sort peu enviable qu'ils préfèrent éviter. Prévenez-moi quand vous en aurez fini avec ces ghouls sauvages que je puisse renvoyer mes synthétiques sur le terrain.